Eh bien salut les amis, c'est Kermando, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le quatrième de Snack World sur Nintendo Switch. On continue notre aventure, donc je vous avais expliqué quelques trucs à la fin de la dernière vidéo, surtout sur les pets, donc les snacky. On verra ça aujourd'hui, enfin... Non, pas forcément en fait, parce que je vous ai dit que pour devenir ami avec les persos, fallait appuyer sur un bouton, mais fallait surtout déjà qu'ils veuillent devenir notre ami, comme dans les Kawash Blaster. Donc ça dépendra, ça arrivera peut-être un jour ou l'autre. Bref, c'est parti, on va à la mission suivante. Par contre, on a eu des nouveaux snacky, des espèces de snacky de soutien qui apparaissent pas dans les quêtes, mais qui arrivent à un moment... Oula, niveau de quête 14, c'est un peu ouf, non? Moi, je suis pas du tout niveau 14, mais je suis niveau 4. Mais attendez, je suis niveau 4 et pourtant... J'ai réussi à faire des quêtes de niveau 10. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si je vais là dans les quêtes annexes, qu'est-ce que j'ai à faire? Récolte, chevelure... Mais attendez, mais il y a beaucoup trop de niveaux de quêtes, je sais pas trop ce que ça veut dire. On va essayer d'y aller. Si on n'y arrive pas, eh bien tant pis, on fera autre chose. Mais ouais, bah, il va y avoir un boss et tout. Une espèce de poulpe bien moche. Et bien dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus pour cette série. On continue. Waouh. Ah, on y va avec les génies. Qu'est-ce qu'ils sont moches. En plus, il y en a un, il faisait un espèce de bec de je sais plus quoi, là, c'est horrible. Gare à toi, petite quête, on arrive. Grotte de l'archi du sèche, c'est vrai, fallait qu'on aille là, je m'en souviens maintenant. Donc, ok. C'est stylé, ça. On commence devant, ouais. Voilà, rien que pour vous, moi. Merci, les gars. Allez, Kermando, il est temps d'aller trouver cet excrémar. Ouais. Soyez sages, surtout. Ciao, ciao. Donc c'est bon, maintenant qu'ils ont exaucé les trois vœux, ils peuvent s'en aller. Mais moi, ils m'ont pas exaucé mes trois vœux. C'est Chop qui a demandé n'importe quoi, mais moi, je veux des trucs un peu plus mieux. What? On peut aller par là? Il y a l'air d'avoir une zone... Non, bah non. Sur la map, on dirait, mais en fait, non. Salut, madame. Laissez-moi faire. Oh oui, j'ai quelque chose pour toi, Kermando. Voilà, qui devrait te redonner le sourire, non? C'est quoi, ça? Un bon mot élémentaire, merci. T'aurais pas pu me le donner sinon dans la ville, parce qu'on la voyait dans la ville, hein, dans l'auberge, donc elle aurait pu me le donner là-bas, ça aurait quand même été un petit peu plus pratique, mais bon, bah, comme elle veut. C'est stylé. L'environnement qui change, par contre, c'est cool. Heureusement, c'est pas toujours le même environnement. Manquerait plus que ça. Là, ok. Oh, un nouveau monstre. Un gobelin. Mais c'est pas un nouveau monstre. Ouh, j'ai l'impression qu'on leur fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est pas ouf. What? J'ai pas tapé? Mais par contre, je sais pas si j'ai la bonne arme. Ah ouais, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Va falloir que j'XP ici la prochaine fois, sinon ça va être compliqué. Oh non, c'est vrai, ils explosent ces trucs-là à la fin. Ok, non. Ton snack a de sérieux ennuis, va vite l'aider. Bah désolé, mais je peux pas y faire grand-chose, moi, pour mon snack. Ah, il est mort. Je vais ramener à la vie. J'aurais dû attendre. Je suis mort. Dégage. Il faut juste faire de cet échec une victoire la prochaine fois, hein. Dégage. Échec de la quête. Chop est toujours en vie. Hein. Je me suis fait éclater. Là, franchement, c'était pas facile. Bon, on va faire une petite quête annexe, hein, quand même. Ça me paraît pas être une si mauvaise idée que ça. Ok, en tout cas, je garde les objets que j'avais récupérés, ça c'est cool. Ils auraient pu me les sucrer, mais non, ils me les donnent. Alors, voyons voir. Non, c'est pas ça, c'est ici. Donc, la petite quête annexe de l'histoire qu'on a, c'est récolte des pages qui valent cher. Ah oui, c'était celle du melon. Mais pourquoi elle est pas dans les quêtes annexes? Pourquoi elle est dans les quêtes de l'histoire? Si c'est une quête annexe. Oh, c'est lui qui nous aide? D'accord, Carpathe Sablé. La quête commence. Oh, je vous attendais, je vous remercie d'avoir accepté. Ah, on fait plus de dégâts là, ça me va. Ça me fait plaisir. Ah, par contre, faut que je change d'arme. Ok, c'est mieux avec ça. Ouh, on peut pas charger cette attaque. Moi, je suis resté appuyé sur le bouton X et ça n'a pas marché. Donc apparemment, on peut pas rester ça, on peut pas rester à charger. Et il met du temps à attaquer. Hein. En même temps, c'est une grosse hache, donc je comprends. Wow, un saut d'arrose. Maintenant, mets-le en lieu sûr, c'est toujours ce que je fais, t'inquiète. Ok, salut. Ah, il me conseille une autre arme. Ok, allons-y. Moi, je suis ses conseils d'armes. Hein. Je connais pas suffisamment les ennemis pour savoir quelle arme utiliser. Hein. Je fais ce qu'ils me disent. Pourquoi il y a un truc de sauvegarde là-bas? On s'en moque? Et... Wouah, pas mal. En plus, le bino... ça me demande encore d'échanger. L'arc, pourquoi faire? D'accord, eh bien, pourquoi pas. Pourquoi il y a un espèce de petit truc pour sauvegarder? C'est pas un truc pour sauvegarder, je pense que c'est un truc de quête. Non. 100 points de dégâts. Ah oui, j'ai plus de vie. Je vais en gagner un peu. Hein. Oui. C'est plutôt pas mal. Ah, parce que là, ils sont un petit peu violents. Et quand est-ce qu'il y en a un qui voudra devenir mon ami, là? Oula, c'est mon polyrhume qui est mort. Oui, et j'ai tiré complètement à côté. Enfin, dans le mur. Attendez,
Ils sont tous morts là, c'est ouf. Je peux la ramener? Ouais, c'est compliqué, mais j'y arrive vite fait. Non, j'y arrive. Quoi? Kirbendo, c'est vous et K.O. Non, mais je sais que c'est moi par contre, mais. What? On est encore morts? Il y a un petit problème quand même, hein. Je pense que. Enfin, c'est pas un petit problème du jeu, c'est un petit problème de nous. Je pense qu'effectivement, on n'est pas assez prêt pour ce genre de quête. Le jeu est devenu trop vite, trop difficile. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux normalement améliorer des trucs, non? Je sais pas, voyons voir dans les équipements. Non, c'est pas les équipements, parce que là j'ai rien de spécial. Après je peux en acheter. Oh, j'ai 38 or, c'est rien du tout. Confection. Ça je sais pas. J'ai même pas tout pour les faire. C'est ouf, j'ai l'impression des matériaux, j'en ai presque pas. On m'en demande énormément et j'en ai presque pas, c'est un peu dingue. Et renforcement, le bouclier je pouvais le renforcer. Je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas non plus. Bah, c'est trop chaud. Mais sinon, si je vais dans mon inventaire, je peux gagner un peu d'XP. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Utiliser. Ah si, je peux augmenter de niveau, je pense. Vas-y, une étoile XPS. Non, non, on va en utiliser plus. On utilise tout. Et on passe niveau 5. Ok, très bien. Donc on peut essayer de faire la quête annexe. Ouais, je vais pas reprendre tout de suite la vraie quête de l'histoire. Juste la quête de récolte et on ira dans la quête de l'histoire après. Parce qu'il y a un boss et tout en plus, donc si je commence déjà à me faire tuer, c'est que c'est pas bon du tout. Par contre, il est vraiment nul, l'espèce de soldat melon là, il se fait tuer du premier coup, c'est dingue, enfin pas du premier coup, mais il est mort super vite. Glacias. Oh 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 oh, non non. Ok, ça me demande de changer d'arme, ça c'est plutôt pratique quand il y a plein de monstres. Oh oui, puis en plus ça fait beaucoup de dégâts. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on gagne là? Je veux dire la présence de mon journal. De quoi il parle? J'ai pas le temps de jouer et de lire ce qu'il me dit en même temps. C'est abusé, je trouve. Ça se trouve, c'est vraiment cool ce qu'il dit, mais je suis désolé, moi je. J'essaye déjà de me concentrer sur le combat et c'est suffisamment dur comme ça. Ok. Au revoir le châtaigne. C'est bon, parfait. J'ai obtenu 0,87 gnopons. C'est ça, des gnopons? Ou des gnopons? J'en sais rien. Ah, c'est pognon, mais à l'envers. Ah, oh, d'accord, c'était bien recherché, tiens. Il y a toujours un drapeau ici. C'est parce qu'il y a un ennemi spécial caché, j'en sais rien. Alors lui, il faut bien rester à distance pour le tuer. Allez. Par contre, je ne vois rien du tout. Ah, mais je peux tourner la caméra. C'est effectivement bien plus pratique. Ok, j'attends que ça se recharge. Non, 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 faut pas que je sois trop près. Il a perdu la moitié de ses vies. C'est cool, c'est cool, c'est cool. What? Justicier fruité est mort. Oh, il meurt beaucoup trop vite, le justicier fruité. Par contre, l'autre vise pas bien du tout. Hein. Ok, c'est bon. Et là, je ne peux rien faire. Le justicier fruité, on peut pas le ramener à la vie, non. Par contre, on peut traîner son cadavre. Bon, bah là, je suis pas sûr que le polyrhume arrive bien à le tuer. Parce qu'il fait 3 points de dégâts. En fait, le polyrhume, je l'aurais pas dans mon équipe, que ça changerait pas grand chose, en fait. C'est bon, là? Non, toujours pas. On met trop de temps à regagner de l'endurance, c'est ouf. Ah, il est revenu à la vie. Comment ça se fait? J'en sais rien. Il est pas mort? Ok, parfait. Miaouch, et bah les pattes. Bon, j'ai compris, je vais aller lire là-bas. De quoi il parle? Elle s'enfuit, on ne peut pas perdre ce jus, on peut pas perdre ce jus, ce journal. Vite, pourchassons-la. Ah bah, il va falloir que je la rebatte. Eh ben, dis donc, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment super envie de faire. Hein. Allez. Ok, c'est bon. Il s'est rendu utile, finalement, le justicier fruité. Ah ben, il a un peu de mal, quand même. Hein. Il a un peu de tense. On continue. Oh, oh, c'est quoi l'arme qu'il faut? L'épée. Très bien. Poule électrique. Mais c'est quoi ces noms de monstres? En plus, on dirait même pas une poule. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais pourquoi pas. Oh, c'est quoi ce truc? L'odeur de l'arôme. Ah, j'ai obtenu un jeton pixie. De l'argent, merci. Ah, je dois changer d'arme. Ah oui, mais changer d'arme quand ils sont tous morts, c'est pas très très utile. Bon, on va dire pourquoi pas, mais... Non, non, non. Il faut que je me charge et... Polyrhume est encore KO. Oh là là, le pauvre. Il va son temps être KO. Oslord, il est presque mort. C'est bon, très bien. Bon, bah là, le grand problème, c'est qu'on va se retrouver encore contre le boss. Et sauf que... Enfin, pas le boss, mais un peu le gros machin, là. Et j'ai pas beaucoup d'endurance. Ah, si, c'est bon, mon endurance, elle est revenue à fond. C'est très bien, ça. Très bien. Ah, mais j'ai ça. Vas-y. Ah, mais si tu tires à côté, par contre, c'est pas ouf du tout. Ah non, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul si tu tires à côté, hein.
Ok, non. Le problème, c'est que il me fait vraiment beaucoup de dégâts. Je crois limite qu'il me tue en un coup. Donc faut d'abord que je le tue. C'est bon, très bien. Et ensuite, je peux rappeler lui. Ça sent les cachotteries, tout ça. Quelqu'un ne veut pas qu'on lise ces histoires. Hihi, attrape-moi si tu peux. Ouais. On arrive. Et lui, il revient pas encore à la vie. Non, il met un peu de temps. Elle s'est encore enfuie, mais je sens encore les énergies mystiques qui s'en dégagent. Et donc, je fais quoi? Non, je vais aller en bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Dans l'eau? Je pense pas que ce soit dans l'eau. Il doit être caché par là. Ah, il est là. Le phalanx. Non, 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 non. Ok, 121 points de vie perdus, c'est ouf. Faut que je prenne deux bouteilles d'eau, sinon je me fais tuer à la prochaine attaque, c'est dingue. Et il est violent ce monstre, hein. C'est un petit boss quand même, c'est un petit boss. Ok, allez. Tire, tire. Voilà. Non, toujours pas. C'est bon, parfait. Quête terminée. Ouf, il est enfin mort. Oh, génial. Par contre, j'ai pas augmenté d'autres niveaux, hein. Oh, un autre rien que pour toi, merci. Zut, j'ai perdu. Enfin, j'aurais bien rigolé au moins. Ok, merci pour tous ces trucs-là. Et donc, ouais, parce qu'on peut essayer de faire la quête suivante, mais là, c'est quand même un tout petit peu chaud. Je pense que d'ici la prochaine vidéo, il faudra que je fasse un peu d'XP, hein, parce que là, c'est vraiment dangereux, hein. Ok, très bien. On peut passer tout ça. J'ai eu un couteau, c'est nouveau. Place à l'ouverture, oui. Alors là, on a quasiment eu tout le temps la même chose. C'est quoi ce grand prix, là? C'est un couteau à légumes. Bah, ça doit pas être très efficace, un couteau à légumes. Non, pour faire la cuisine, peut-être, mais une monnaie spéciale que vous pouvez utiliser pour acheter des tampons et de la musique. Un jeton vaut mieux que deux, tu l'auras. Je connais l'expression... Vaut mieux que deux, tu l'auras, mais bon... Gracias, j'ai récupéré mon jus, je veux dire mon journal, enfin. Je vais pouvoir retrouver le sommeil. Je peux pas le lire, le journal secret? Parce qu'il disait que je devais pas, mais moi je veux bien le prendre et le lire. Hihi, à mon avis, tes compagnons devraient savoir ce que contiennent ces pages, eux aussi. Hein? Quoi? What? Dans ces pages du fameux journal du héros, j'ai mouillé le... Non! Rempli de pépites adorables et parlant de lui, comme le vengeur végétal ou le redresseur redouté. Arrête! Et que dire de la graine puritaine et de la... et de le meuldon qui chiotte? Ça suffit, pitié! Ils ont dû s'éclater, en tout cas pour les jeux de mots. Hein. Et mon grand préféré... le melon messie incompris! Quoi? Non! En fait, il a honte parce qu'il veut pas qu'on sache les surnoms qu'il s'est donné. J'adore. Je n'arrive pas à croire que tu écris tous ces trucs merveilleux. Mielleux. Hihihi, je suis impressionné et je me sens un peu sale à la fois. Sale. Ah, là, il est mort. Définitivement. Les vlogs du vengeur visionnaire des végétaux. Ça sonne bien, non? Oh non, c'est déjà fini, mais je m'amusais trop. Bon, je n'allais pas tarder à rentrer de toute façon. Salut. Oh, avant que je ne parte, vous connaissez cette super app? Quelle app? Permifilm. Ah non, je peux regarder des films sur l'app, d'accord, très bien. Elle permet de regarder plein de vidéos trop cool. Par contre, certaines sont vraiment nulles, un peu comme un certain journal. Hihi, allez, salut. Ouais, ouais. Ouais, 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 un peu mon neveu. Ok, très bien. Bon, des pages qui valent... Ah, j'ai la suite de la quête? Attendez. Voyons voir. Non. Non, je croyais. Non terminé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est au début, ça. Excalibur. Oh, quelle horreur. Mais, ça peut être pas mal, ça. On peut gagner plein de trucs. En plus, ça nous affiche. J'avais pas vu. Ça nous affiche les monstres qu'on peut trouver. Faudra peut-être que je le fasse plus tard. Mais bon, bref. Il faut bien s'hydrater. Réessayons. Même si ça paraît un peu compliqué. Mais, on sait jamais. On sait jamais. Et ça nous a équipé, le couteau à légumes? Peut-être. Faut que j'aille voir dans mes porte-jarras, si j'ai le couteau à légumes. Grotte de l'archiduchesse. On passe, on est déjà venu ici, on a déjà vu ce qui se passait. Non, ça aussi on a déjà vu. Très bien, oui, au revoir. Alors, la quête commence. Donc, les porte-jarras. Non, c'est pas ça. Ah ouais, on a le couteau à légumes. Je sais pas trop comment ça se joue, mais... Ah, mais c'est un truc d'assassin un peu. Oh, stylé. Et ça fait quoi par contre d'aller là? Je peux les appeler, mais ça fait quoi? Top délire, lampe crade, on ne sait jamais lequel d'entre nous va venir, quelle surprise topissime. Et comment je fais pour les faire venir? Allez, j'arrive pas, j'appuie sur le bouton A, ça marche pas.
J'en sais rien, faut peut-être que je les charge ou je sais pas, mais en tout cas, on peut les faire venir, j'ai l'impression, mais je sais pas comment ça fonctionne. Et l'excrémar doit se trouver là, quelque part. Continue de chercher. Allez. Ah non, ça je peux pas charger, mince. Non, c'est pas ouf alors. Ok, bah si, c'est cool, mais c'est juste que je le faisais pas comme il fallait. Donc c'était moi qui étais pas cool en fait. Alors c'est pas du tout la bonne arme, hein. ça se voit. Non. Aïe aïe aïe, je charge mes trucs et après je me fais démonter. Oh! Ah ben oui, ça te voit que c'est la bonne arme, ça fait tellement de dégâts, c'est ouf. Par contre, j'aurais besoin d'un peu de vie. J'en gagne pas tout seul de la vie, hein. Y'a pas moyen de se régénérer tout seul, c'est un peu dommage ça. Parce que des objets de régénération, j'en ai pas à l'infini. Oh, Nyx, ça va? C'est pas la bonne arme non plus. Il faut ça? Ouais, mais c'est pour la Nyx. Zikos, ça doit être justement l'épée. Alors ça, ouais, effectivement, c'est pas la bonne arme. Donc c'était pour Nyx. Nico, lui, il veut ça. Enfin, Zikos, Nico. Et là, ça demande quoi? Encore le même truc. Par contre, il me drop rien, là. Non, ils ont pas très... Mais qu'est-ce qu'elle fait coincer là? D'accord. Bah, mon Snacky, il est coincé de l'autre côté. Faut que je trouve la clé, maintenant. On sait où est la sortie, mais on sait pas où est la clé. Ça ressemble au truc de tout à l'heure. Enfin, c'est général aléatoirement, donc effectivement, de temps en temps, on se retrouve dans les mêmes salles. Bah oui, je me disais, c'est bizarre, y'a personne. Ok. Parfait. Là, y'a rien. C'est quoi, ça? Ou quoi? Oh non, ça me fait oublier le chemin. Oh, l'horreur! On dirait qu'on est reparti sur les Cabbage Blaster, je déteste ça. Vas-y, on le rappelle. Très bien, ça, je peux changer. Enfin, je n'ai pas vraiment l'utilité, en fait. Parce que le truc était déjà presque mort, mais bon. Oh là, j'ai oublié le chemin, en plus je l'ai fait exprès quoi, genre le truc je suis passé dessus. Je l'avais déjà activé, c'est juste que je connaissais pas l'icône, donc je me suis dit tiens, on va voir. Et ben j'aurais pas dû. Nyx. Ah, ça lui fait beaucoup de dégâts. En fait c'est vraiment très très important d'utiliser la bonne arme sur le bon ennemi, hein. Si on le fait pas, on... Enfin si on le fait, on les tue presque en un coup, c'est dingue. Bref, là on sait qu'il n'y a rien, c'est juste que je veux rafficher la map pour quand je reviendrai là, histoire de pas revenir par erreur. Donc la porte. Je peux juste rafficher la porte. Très bien, comme ça on sait où est la sortie. Alors, où est cette petite clé? Oh, reniflore, c'est quoi ça? C'est nouveau. Par contre, il n'y a rien qui aime l'épée ici. Genre, il n'y a rien qui nous demande d'utiliser l'épée. Ah bah non, bah ils sont tous morts. Quoi, non? Ah oui, si. Je me disais quand même. Reniflore de l'autre côté encore. Pourquoi ça me demande de changer d'arme? Hé hey. J'arrivais pas à casser le truc. En plus, il y a des trucs dedans. Alors, c'est rare. Donc, il vaut mieux que je les récupère. C'est quoi ça? Ok. Et salut! Coco Quiz. Il y a des noms vraiment qui sont trop mignons. Wow. Ah, ça fait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Mais c'est juste qu'il a énormément de vie. Hein. Lui, c'est un espèce de mini-boss, en fait. Ok. Par contre, là, il veut vraiment tuer Dolieux. Non. Polyrhume. Genre, vraiment, il veut pas attaquer quelqu'un d'autre. C'est bon. On l'a eu. Et il nous a rien donné. À quoi ça sert de tuer ces ennemis énormes? J'ai l'impression qu'il donne jamais rien. Ah, niveau supérieur, ça c'est bien. Oui, si, c'est vrai qu'il donne de l'XP dans tous les cas. Donc, il ne peut pas te donner à rien du tout. Mais il donne pas d'objet, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Où est cette petite clé? Voilà. Très bien. Ah, ah. Non, c'est vrai, il faut pas rester là. Oui. En fait, je sais pas trop quel intérêt d'augmenter de niveau pour l'instant, parce que je les tue dans tous les cas, tous en un coup. Donc, oh. Non, mais les Goku, c'est pas avec ça qu'on les tue. Bah non, faut changer d'arme. Ah, j'ai changé de Jara. Mais c'est avec ça. Très bien. Ça, c'est quoi? Un bout de laine frisée. Bah, ça peut être utile. J'espère, j'imagine. Ok, par contre là ça va au niveau de l'endurance, je m'en sors pas mal. J'en ai toujours pas mal en réserve. Je me suis pas retrouvé à court, c'est plutôt cool. Ok, bête de scène, il va pas devenir mon ami. Non, c'est dommage parce que si j'avais un snack de cette taille là, je pense que ce serait quand même plutôt pété. Bref, qu'est-ce qu'il y a par là? Bien entendu, probablement rien de ce qu'on veut. Non, j'ai pas la bonne arme. Ouais, on change. C'est ça qu'il fallait, je m'en souviens. Et en plus là, il y a que des reniflores. Ah non, il y a un cubiclope. Vas-y. Ok, parfait. Mais c'est quoi le cubiclope? On dirait une espèce de dé croisé avec une abeille, c'est un peu chelou. De toute façon, la plupart des trucs ici sont chelous. Après, c'est dommage parce que les ennemis, ils sont cool, mais on n'a pas le temps de les voir, en fait. On passe tellement vite que j'ai pas le temps trop de les retenir. Mais après, je pense que je les retiendrai quand je les aurai en snacky. Polyrhume, là, je le connais bien, vu que je la connais bien, vu que je l'ai depuis pas mal de temps. Et il n'y a pas de clé ici.
Quelle surprise. Ah, j'ai la clé, c'est bon, c'est lui qui l'a. Ok, parfait. Non, parce que là, j'ai quand même fait tout l'étage. En plus de ça, j'ai Polyrune qui est morte. J'ai plus d'eau, donc c'était quand même assez chaud. Enfin, là, c'était vraiment dur. Là, il y a encore des ennemis. C'est super chaud. Là, cet endroit est vraiment pas facile. Ok, alors l'ennemi pour lequel j'avais... Oh mon dieu, puis en plus, il y a que des gros machins qui apparaissent là-bas. Je pense qu'il faut que j'XP beaucoup plus que ça. Attendez. Non, non. Je dois surtout plus me faire toucher, là. Sinon, c'est la mort. Mmh. Très bien, lui je pense que je vais l'abandonner là-bas, hein, bête de scène, c'est pas la peine. Je pourrais pas avoir des bouteilles d'eau. Ok, et ben non, donc on va juste se sauver, je pense qu'on peut passer par là, enfin j'espère. C'est dommage que j'ai plus mon familier, ouh, une confie machin truc. J'en avais pas déjà, non je crois pas. Bah si, ça m'a pas marqué nouveau mais je ne me souviens plus les avoir croisés. On n'arrive pas tout de suite au boss, ah, quoi? On peut la ramener à la vie juste en ayant passé l'étage? Ah c'est bien ça, ah c'est cool. C'est vraiment cool, par contre j'ai pas la bonne arme là. Ok, allez. C'est quoi? Ok, très bien. Non! J'ai pas le temps d'attaquer, c'est ouf! Ok, Polyrume est encore morte. Mais Polyrume en plus n'a pas un très bon niveau quoi. Enfin, c'est un perso de début du jeu, donc ce serait bien que j'en ai un autre de Snacky. Ok, très bien. Mais c'est quoi cet étage? Par contre, c'est juste un étage en ligne droite là. Alors là, c'est pas la bonne arme, enfin c'est pas grave. Si, c'était peut-être la bonne arme, je sais plus. J'ai besoin de vie, c'est ouf, j'ai rien du tout. Faudrait que je récupère des bouteilles, c'est indispensable, sinon je vais me faire tuer par le boss. C'est certain. C'est quoi cet étage trop bizarre? Ok, bah dans tous les cas, je dois prendre ma vie maintenant, hein. Je peux pas attendre plus longtemps quoi. Après il y aura peut-être un truc juste devant le boss pour regagner des vies. Non, j'ai pas la bonne arme, encore une fois, voilà. Et juste devant le boss, à mon avis, il y aura un truc pour gagner... Sérieux. Un truc pour gagner de la vie, mais j'y suis pas encore. Hein. Puis après, pendant le combat de boss... J'aurais rien du tout. Polygrum, c'est dommage, je trouve pas une soigneuse. Faudrait que j'ai une soigneuse dans mon équipe, ça paraît obligatoire maintenant. Allez. Très bien. Maintenant, c'est quoi là-bas? Ok, ça se charge, très bien. Bon, j'ai pas réussi à toucher l'autre, dommage. Un bout de polyester usé. Ah, on a un autre coffre? Peut-être que l'ennemi nous en donnait un autre. Je sais pas si c'est l'ennemi qui nous l'a donné ou si c'est la princesse là, qui nous en a redonné un. Hein. La princesse, des fois, elle est utile. Hein. Ah, j'ai regagné. Ça a augmenté toutes mes stats. C'est cool, mais bon. Je veux de l'eau. Je devrais en produire plus. En même temps, ça sert à rien, je pense, d'en produire plus parce que je crois que tu peux, dans tous les cas, en posséder 3 max. Donc, tu peux essayer d'en produire plus. Ça sert à rien, tu pourrais pas les emmener avec toi dans la mission. Enfin, pas 3, mais 5. J'ai dit 3, je sais même plus. Ok, et ça donne rien du tout. En tout cas, on arrive à la fin de cet étage et moi, je sens que c'est bien le genre d'endroit où il peut y avoir un boss juste après. C'est une arme pour tuer quoi là que j'ai? Rien qu'il y a ici, j'ai l'impression. Waouh! Niveau supérieur! Oh génial! Niveau 7, ça va m'être carrément utile. Bon, si je repère des vies juste après, c'est pas ouf, mais. Mais sérieusement! Ok, très bien, et. Voilà! Ah, j'ai pas pu les ramener! Bon, c'est pas grave, de toute façon, on change d'étage, donc ils reviendront à la vie juste après. J'espère. C'est le boss. Donc là, ils sont réanimés, mais waouh! J'ai gagné des objets. Si, ce machin, ça redonne des objets. Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Parce que j'avais vraiment peur, sinon. Hein. Là, c'est... Wow. Stylé. Excrémar. Ouf. Alors, c'est quoi l'arme suggérée? C'est ceci. D'accord, ok. What? Ça change d'arme suggérée? Pourquoi? Ah oui. Ah oui, carrément. D'accord, ok. Non, 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 non. Allez, vas-y, fais ça, très bien. Il a déjà perdu pas mal de vie. Wow, pas mal, il continue d'attaquer. Ah, c'est ouf. Bon, par contre, je peux me faire toucher aussi, c'est pas ouf. Attends, mais elle s'arrête quand cette attaque spéciale? Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dure une éternité, c'est trop bien. Bon, Polyrume est mort, hein, par contre, hein, ça... Pourquoi ça m'a encore changé d'arme, en fait? Pourquoi ça m'avait changé d'arme deux fois au début? Enfin, c'est pas grave, hein, mais c'est peut-être qu'il a deux faiblesses, donc ça a un peu bugué, je ne sais pas. Ok, très bien. En fait, faut vraiment bien l'éviter, hein. C'est ça le danger. Oh mince, je me suis fait toucher et j'ai plus de vie. Non, 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 j'ai plus de vie. Ok, parfait. Non, 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 faut vraiment bouger beaucoup, hein. Les boss, ils demandent une espèce, enfin, une bonne dextérité, hein. Je sais pas, on est qu'au début du jeu et pourtant j'ai l'impression que... Oula, oula, oula. En plus, je glisse. Non, c'est bon, c'est pas grave. What? What? Ah oui, c'est vrai qu'on peut courir. J'avais oublié ça, mince. Très bien. En plus, il y a les boules de pique et tout, on dirait un Mario Party, là. On dirait un peu qu'on est dans un Mario Party. Je sais même pas si je peux le taper. Je pense que je peux.
Quand est-ce qu'il s'arrête? Non, de toute façon, il fait zéro dégâts. Ok, il a arrêté, et là... Je pense que j'aurai pas mon super à nouveau. Oh, génial. Enfin, c'est pas grave si je l'ai... D'accord, c'est pas grave si je l'ai pas à nouveau, de toute façon, il est bientôt mort. Tant mieux. Ok, mince, maintenant il est vraiment énervé. Je crois qu'il était déjà énervé, mais bon, si vous voulez. Oh, non, il... Ok. Il est trop violent. Faut être vraiment super réactif, c'est incroyable. Mais il est presque mort, hein. Il n'y a plus rien du tout là. J'ai même presque le sentiment qu'il est plus facile que Médusa. Ok. Je vais me faire retaper, oh là là. Je vais peut-être mourir en fait. Je dis qu'il est plus facile que Médusa, mais c'est possible que je meure. Ok, je suis PKO. Vas-y, vas-y, tape. C'est bon. Oh, il va me rester quoi? 2 PV, 3 PV. Mon dieu. Oh, il y a des palmiers sur sa tête. Genre, c'est un îlot sur sa tête. Ok, j'ai réussi à éliminer l'Excrimar. J'y croyais pas du tout au début de cette vidéo, hein, parce que comme on se faisait éclater au début de la mission, je pensais que c'était impossible. Bon, ben voilà, il n'y a rien de plus à récupérer. Alors, est-ce qu'elle va être contente d'avoir la crème, là, la princesse, ou est-ce qu'elle va dire encore qu'elle est passée à autre chose, je sais pas quoi. On a réussi quand même une quête de niveau 14 alors qu'on était niveau quoi? Bien moins, hein. Non, c'est pas ce niveau-là. Là, on est que niveau 3, mais c'est pas ce niveau-là. Je sais pas quel niveau c'était. Oh! L'épée tigrée, ça a l'air ouf, on a enfin une vraie épée. Non, parce que depuis le début du jeu, quand même, on a des épées un peu pourries, donc c'est bien d'avoir un vrai truc. Ok, j'ai un truc d'XP, très bien. Elle est où? L'épée tigrée. Elle n'est pas là? Elle apparaît peut-être pas là. Oui, oui, bien sûr que je veux sauvegarder. Bien entendu. Alors, voyons voir. Oh, tout puissant, vous nous avez manqué. Hé, hey, vous sortez d'où vous? Pas mal, hein? Ah, on n'a pas pu résister, alors on vous a suivi. Écoutez ça. Et votre Nyx préféré est là aussi. Salut tout le monde, je ne sais pas pour vous, mais je suis là pour la crème. What? Quoi? Il est en colère? Permettez-moi de traduire. Bup, 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 bup. C'est quoi? Il a dit salut les mecs, alors sa bulle? Il nous en veut pas? Ouah, j'imaginais pas du tout un Excrimar parler comme ça. Désormais, la Nyx vous fera la traduction de ce que dit l'Excrimar en direct. Oh tout puissant, ce sont nos amis, ils veulent votre... Vous savez quoi? Quoi? Oh non, pas encore! Vous avez vraiment des délires bizarres, vous les humains, vous savez. Mais allez, ça marche. Voyons si je peux vous en couler un triton. Tout est prêt? En couler un? C'est son caca, en fait, la crème? Ah, j'en suis presque sûr. Plouf. Oui, c'est forcément son caca. D'accord, ok. Ah, quelle horreur! Ils aiment bien les trucs bizarres dans ce jeu, quand même. La pêche posée, hydratation extrême. Cette musique, est-ce qu'il vient de... Oh mon dieu, sérieux, la crème, la pêche posée, hydratation extrême est en fait, c'est... Ouais, c'est de la... Bip. D'accord. Alors c'est ça que la princesse Mélonia veut pour... sur tout son corps. D'accord, je crois que je vais passer mon tour pour cette fois. Oui, moi aussi, je pense que même si on m'en proposait gratuitement, je voudrais pas de cette crème. Kirbendo, tu peux... Tcha, vous rentrez victorieux. Merci. Oh mes héros, c'est exactement ce qu'il me fallait. Princesse Mélonia, vous ne devriez pas utiliser ça. Comment? Pourquoi pas? Pourquoi déjà, Kirbendo? C'est aux extraits très naturels. L'Excrimar a bien posé une pêche. C'est aux extraits très naturels. Ça a l'air naturel, oui. Ça sent très fort. Enfin, j'imagine que c'est un signe de grande qualité. Ce sont les remèdes les plus immondes qui fonctionnent le mieux, non? Oui, mais... C'est juste que votre peau est déjà si lisse et fine et douce et... Mais n'aimerais-tu pas qu'elle soit encore plus lisse, plus fine et plus douce? Oui. Alors, tu vas être servie, tu verras à quel point je peux être parfaite. Je vais m'éclipser un instant dans la salle de bain et m'étaler cette crème partout sur le corps. Partout sur le corps, le... De l'Excrimar, partout sur le... Il n'en revient pas. Non, je ne peux pas voir ça, je peux pas, non. Quelle horreur, ah, il pense encore à ça. C'était un peu dégoûtant. Il en refait. En même temps, si son caca se vend une fortune, bah, c'est cool pour lui. Ok, très bien pour lui. Ok, je peux faire plus de quêtes annexes, c'est un peu normal. Donc, quel va être le prochain chapitre? Cardam, par ici!
Espèce, t'es trop belle. Merci à tous d'être venus, vous avez été un public super, Girl Power. Merci à toi, Cardam, Girl Power. Girl Power. Le spectacle des Aroma Girls est maintenant terminé. Nous espérons vous voir à notre prochaine représentation. Girl Power. On sera là, comptez sur moi. C'est quoi cette histoire? Je suis désolée, j'ai fait n'importe quoi. Tes gestes étaient un peu hors tempo, c'est vrai. Mais tu es nouvelle, c'est normal, ne t'en fais pas. On va travailler encore plus dur. Allez, montre-moi un beau sourire, ma petite épice. Il faut vraiment que je me concentre. D'accord. Chapitre 3, coup de foudre à Tutti Frutti. C'est quoi alors, Chop il va tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Vu qu'il est peut-être plus amoureux de la princesse Caca, mais Oh, te voilà, Kirbendo. Merci d'être venu, mon enfant. J'ai quelque chose pour toi. De l'argent? Tu as bien travaillé ces derniers temps. Je vais t'enfin payer. J'ai donc décidé de te récompenser avec ce permis. Aïe. Permis snack de classe B. D'accord. Maintenant, je peux emmener deux snacks, mais j'en ai qu'un seul. Il te permet d'emmener plus de snacks avec toi en quête, vois-tu? C'est fantastique! Oh, je suis déjà impatient de connaître tes nouveaux exploits. Ouais. Bien, si tu es digne de ce nouveau permis, alors tu n'auras aucun mal à achever la quête que je suis sur le point de te proposer. Hein? Mon précieux. Tu seras sans doute surpris d'apprendre que mon adorable petit melon a des besoins insatisfaits. C'est un filtre d'amour, je ne peux pas vivre sans. Apparemment, les sœurs sirènes en auraient un, mais je le veux! C'est comme si c'était fait. Excellent, Kirbendo, toujours fidèle au poste. Je dois cependant te prévenir que nous ne savons pas grand-chose des sœurs sirènes. Oui. On raconte que les sœurs sirènes vivent dans une forêt au nord-est d'ici. Une forêt au doux nom de Forêt Noire. Cependant, personne ne sait exactement où dans la forêt. C'est un dessert, la Forêt Noire, en plus. Voilà qui pose un petit pépin, un gros même. En effet. Il existe un homme qui connaît mieux la forêt que quiconque, votre majesté. Les gens l'appellent le maître des bois. Peut-être devriez-vous lui demander son aide. Le maître des bois, dis-tu? Quel nom flamboyant! Alors... D'après sa page Pixipédia, on l'appelle également le Pan. C'est une légende vivante de la forêt. Expert de la survie, deuxième rang de chasseur de trésors. Et cerise sur le gâteau, c'est un gars super sympa, intelligent et qui aime les animaux. Oh oh oh, c'est bien notre homme! Il saura à coup sûr où se trouvent les sœurs sirènes. Kirbendo! Tu dois immédiatement traverser les coteaux pinambours au nord et rejoindre la forêt. Je suis persuadé que tu reviendras avec le filtre d'amour que mon adorable petit melon désire tant. Un peu mon neveu. Voilà, ok. Bon, je pense qu'on va rester là. Et oui, les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Snack World. On continuera prochainement. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et à la prochaine. Salut! Thank you.